Tu as l'imocelle, le smecta, le bicarbonate de soude. Oh non, pas psychotique, prévoyant, prévoyant. Après cette colique diarrhée purulente, tu me permettras de remettre en doute les qualités culinaires de ta mère. Oh, mais je suis très calme. Simplement, je trouve saugrenu à l'apéritif de présenter des capres sur des tranches de pain d'épices. Oui, je sais, ta mère se tue toutes les semaines à nous faire à dîner. L'ennui, c'est qu'elle ressuscite. Elle fait la cuisine avec amour, elle fait la cuisine avec amour, qu'elle fasse avec un livre de recettes. Bon, il y a 2 degrés dehors. Ils veulent nous surgeler pour stocker les provisions. Ah, grand-mamie, grand-mamie. Et alors, grand-mamie, on fait fi des usages? Eh ben, on ne se lève pas de sa charrette pour embrasser son gendre? Oh, je vous fais marcher, je vous fais marcher, c'était une boutade. Une boutade! Oula. Dites-moi, vous avez changé d'eau de Cologne ou vous êtes tombé dans la litière du chat? Comment? Non, je ne vous embrasse pas, non, non, ça ferait bien trop de fil. Grand, grand papy, grand papy! Et alors, grand papy, vous êtes motorisé aussi, vous, maintenant? Mais c'est le circuit du Castellet, ici! Deuxième ange du championnat handicap de chaise croulante. Alors, grand papy, vous faites partie de quelle écurie? Parce qu'il s'agirait de les nettoyer, hein? Dites-moi tout, les règles de priorité sont applicables dans l'appartement? Oui, parfait, alors je me permets de manœuvrer, hein. Attention, pli de marche arrière. Admirez le créneau. Mieux que celui du Père Noël. Oui, on peut être beau et avoir de l'humour. Dites-moi, vous avez un problème d'égout ici ou il y a un hippopotame crevé dans le jardin? Pardon? Ah, ce sont vos akouskis? Oh, cacao, grand-mamie. Oh non, merci, non, je me réserve pour le café. Ah si, si, j'adore le cacao, mais pas sur les huîtres. Ou alors ouvrez-les. Alors, grand-papy, et ses vacances? Dans le coma, vous êtes bien reposé? Ce que c'est que la technique moderne, tout de même, hein? On arrive à transformer de la viande en légumes et inversement, dites-donc. Dites-donc, vous avez une méduse sur votre gilet. Ah, vous êtes enrhumé. Ben, vous avez de la chance d'être enrhumé. Cela vous évite de supporter ces effluves nauséux d'un autre âge émanant de votre claque-merde. Enfin, c'est pestilentiel, regardez. Même les cafards se sont empaillés naturellement, dites-donc. Vous conservez vos parents dans une armoire ici ou quoi? Ah, grand-mamie qui nous revient des stands. Allez hop, deuxième grand-mamie à fond dans la ligne droite. Oh là là, mais vous roulez à tombeau ouvert, dites-moi. Ah, j'y vois un signe, hein, j'y vois un signe. Allez, grand choumi, en pole position pour le départ. Vous êtes prête pour le départ? Non, 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 pas trop de gaz, pas trop de gaz, pas trop de gaz. Attention, grand-mamie, de l'huile sur la piste. De l'huile sur la piste. Mais non, c'est grand pipi. Une fuite dans le quartier? Ah non, non, drapeau rouge, hein. Vous vous rentrez au paddock, capitaine, 1 000 000 000 sabords et Tintin pour le dîner. On desserre les freins et grand-papy termine sa course folle dans le gravillon de l'allée. Et bonjour Ayrton Senna. Alors, grand-mamie, que nous avez-vous concocté au-dessus de votre chaudron magique? Là où vos mains séculaires et décharnées, prolongées par un onglon noirci par la pourriture, déglutissent putrides aliments, hein? Mmh. Ça sent bon. Qui est-ce? Non, ce n'est pas expérimental, grand-mamie, non, c'est débile mental. Alors vous allez vous crapahuter jusqu'à votre laboratoire et vous flambeau grand marnier, c'est vu? Vos recettes, là, vous les piquez dans les romans de Stephen King ou quoi? Stephen King, grand-mamie, le maître de l'horreur. Stephen King, cimetière 2, la tronçonneuse, grand-mamie. Un grand papy, Misery, la hache. T'es grand papy, là. Ah, ma chérie, tu es là. Hein? Comment ça, qu'est-ce que je fais?
On va bien manger chez tes parents tout à l'heure. Oui? Ah ben, je m'échauffe.